Retour à Dabouz. Allez. Quand on le voit de loin, on n'a pas du tout l'impression d'une telle masse. Et on regarde là, là quand on arrive. C'est parce que c'est un peu aplati comme ça. Nos rochers de Dabouz. Ça fait quelque chose, hein, après toutes ces années, quand on passe à tout le travail qu'on y a fait. Ouais. On a passé quoi, une grosse semaine, hein, à faire. On a passé une bonne semaine en plein soleil. Oui, au soleil, à faire les relevés. Ah, c'est beau. Et ça, c'est un chef-d'œuvre. Oui, il n'y en a pas d'autres comme ça. Hein. Cette grande girafe, elle fait plus de 6 mètres. Elle a des proportions absolument parfaites. Donc, il y a eu des repères. Puis, ils ont fait les gravures. Ils ont poli l'intérieur des gravures. Ils ont allongé, ça a dû prendre du temps. Ils ont sculpté l'intérieur du corps pour rendre les ocelles. Et la fondation Bradshaw, d'abord, pendant 2 ans, je crois, ils ont payé un ou deux gardiens qui sont restés ici pendant tous les mois touristiques. Et après, c'est Tara, le Trust for African Rock Art, qui a pris ça en charge. Et il y a toujours 2 gardiens en permanence, ce qui fait que quand il y a des touristes qui arrivent, on les amène ici, on leur montre, on les empêche de marcher partout, évidemment, de faire des graffitis ou autres dégradations, parce que dans l'ensemble, il y a toutes sortes de gens. Et donc, tout le monde en profite, mais c'est conservé. Et en même temps, ça donne du travail à des gens locaux. Alors, c'est à la suite de ça aussi que l'un des sponsors, qui s'appelle Damon de Laszlo, de la Fondation Bradshaw, a accepté de payer les frais d'un puits. Parce qu'au départ, il fallait que les gardiens qui étaient là avec leur famille et qui passaient plusieurs mois dans l'année, il fallait qu'ils aient de l'eau. Et donc, il n'y avait pas d'eau ici. Alors, à 4 ou 5 kilomètres, Sidi a supervisé cette opération. Ils ont creusé un puits. Alors, le premier, justement, ils sont tombés sur des grosses dalles, ils n'ont pas pu percer. Puis alors, ils en ont fait un second à côté. Puis finalement, ils ont trouvé de l'eau. Et ce puits fonctionne, ce qui fait que ça attirait en plus des nomades.
Ce qui fait que pendant tous les mois où il y a de l'eau, c'est-à-dire on peut dire du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, ben, il y a des gens qui vont tous les matins, tous les jours, chercher de l'eau jusqu'à ce que l'eau se tarisse pendant les mois d'été. Et ça fixe, ça fait vivre des familles. Donc c'était une bonne opération. Moi, j'en suis très fier. Non, il y a un problème d'eau là, grave. Il y a un vrai problème d'eau. Parce que les puits, les petits puits là, ils sont saisonniers. À partir du mois de mai, juin, c'est fini. Alors que la période dure ici, c'est pendant l'été. C'est-à-dire à partir de mai, juin, juillet, août, avant les pluies. C'est ça la saison, la période chaude où les gens ont besoin de plus d'eau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on arrive à creuser un puits, il faut qu'on arrive à approfondir notre puits. Il faut passer les rochers qui empêchent, la roche qui empêche d'accéder à l'eau. Il faut qu'on trouve un moyen de la démolir et de passer en dessous pour trouver un puits normal qui marche à toutes les saisons. C'est plus qu'essentiel, c'est vital. C'est plus qu'essentiel. C'était un pari un peu risqué, ce stage, enfin un peu risqué, bon, il n'y a pas de grand risque, mais un peu osé, je dirais, parce qu'il s'agissait de montrer, d'essayer de montrer aux Touaregs, aux populations locales, aux Nigériens de la région d'Agadez, à la fois les sensibiliser à l'intérêt de l'art rupestre et leur montrer un peu comment, avec leur tradition à eux, les Occidentaux, abordent ces gravures et ces peintures, quel est l'intérêt que les Européens peuvent y attacher. Et quelle est l'importance que ça peut avoir, à la fois sur le plan du développement touristique éventuel de la région, mais aussi sur le plan de leur culture, de leurs racines à eux. Et je crois que le pari est absolument réussi. Alors Idriss, ces girafes, tu me la montres, que je vois qu'est-ce qu'on peut en faire, s'il te plaît. Oui, voilà notre girafe. Là, nous avons la tête, des oreilles, voilà le cou. Donc maintenant, je peux commencer à relever mon girafe. Je commence ici, au niveau de la tête, en traçant la bouche. Voir les deux. Ah, il faut que. D'accord. Oui. Donc, on va reconnaître. Voilà. On va à côté du Eha. On t'a donné le dîner, il y a de l'arté à Ganao. Yannick, je compte sur vous. On va jouer les garçons. Je suis sûr que on a l'air d'astonnerie. Les verres. Ah, il faut que j'enlève les verres. Les lunettes. Merci. Toi, Marianne. C'est bon.
سوبر تلو ترشي تخلى الدوتر سنرى سنرى فلايا الله سنوفا دمان سنوفا Merci. De boutier à mon goût. Le mot est kill. Et on prononce le mot est kill. Oui. Ag. Glot. Ag. Glot, c'est DT. DTES. Bien ou Alma ou kill. Ag. Glot. Alma ou kill. Ag. Glot.